biso ezaya mipeko. Mipeko ya lingomba ezali boye. Okoyi, bapesi yo basanza, bakokatela yo, sima nde bazongisi yo na lingomba. Ezalaka bongo mpe bongo te. Yango topesaki programe na nkamba. Tobanda kozonga, me programe ekozala boye. Ba pasteur nde bayambaka. Réunion, tozalaka, ba pasteur babanda koyamba biso. Soki bapesi bakombo na bino, nde bayambi biso. Yango nasali mokanda, bakotangela bino, ekendela mokili mobimba. Oto mona ete makelele ezala lisusu te. Toyokani ye, hein? Ale papa matondo. Biso nyonso tovanda kimia, tolanda programme otosalela, bando osalela pardon. Oui, tout le monde va dans l'ingomba. Est-ce que tout le monde a mis bien dans l'ingomba? Oui! Mais vous pouvez aller à la gaga, hein? Oui! Ceux qui te relèvent, ni les relèvent, ils s'habituent. Oui! Voilà, place que tu es éliminé à Rouen. Merci. Ma Kumbaya Tata, moi, ma Tata, mon innocente. Nous avons ici Botondi et par exemple la biso, sa divinité pas possible que bien là. Na combat tata moi na tata moi santo, patata pe pa maman, pa na yambanzango. Patata pe pa maman, bandimi. Yali ngomba ya nkolo isu awanansé na ntoma na ye ya siki siki papa simo kimbangu. Oyo to bolanda izali mukano ya yemei. Nzambe wa biso tata molimo santo. Na bulingana ye salemi na nkamba te eko sala mwana mbanza ngungu na tongwa lelo. Izana elembo. Mbanza ngungu tu yebile mwa histoire mingi. Elingyo lo baite bulingana ye iza mwane. Toko benga la ye Dieu miséricordieux. Dieu compatissant. Na yango ebongi tozongisela ye bakado koleka bakado tokopesaka ye moko te eleki kado ye akopesaka biso moko te eleki kado ye akopesa biso lelo banda lelo ndenge koloba makambo kozala bana botosi bana bolingo nzambe wa biso bana botosi bana bolingo na bapapa pe bamama conseil direct bana botosi bana bolingo na libote esanto bana botosi bana bolingo epai ya bambuto biso na biso bolingo totosana oyo atosenga biso ni totika masumu alobaki ya molenge euti oleka nzambe basakanaka na ye te akolimbi saka kasi akozalaka mpe na kanda Galate 6:7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu na yango tokoleka na kotanga décision motano oyo tata mokonzi ya bule azwi mpona biso ponso bana ne na kati na lingomba na ye église de jésus christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu fondé en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Le chef spirituel est représentant légal. Décision numéro 048/EJCSK/CS/01/12-CS/2024. Du 19 juin 2024. Portant mesure de grâce exceptionnelle à tout kimbanguiste
excommunié, radié et mis sous discipline par l'Église, ainsi que se sanctionner administrativement par leur mouvement, association, groupe, service et unité de production de l'Église. Le chef spirituel est représentant légal de l'Église humaniste. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vu l'arrêté ministériel numéro 005/CAB/CS/2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de Papa Simon Kimbangu à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, en sigle MJCSK, dite Église Kimbanguiste. Vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, en sigle MJCSK, dite Église Kimbanguiste, telle que modifiée à ce jour. Vu le règlement intérieur de l'Église Kimbanguiste, tel que publié le 17 juillet 2017, spécialement dans son article 24, où il est stipulé comme le chef spirituel et représentant légal exerce les pouvoirs spirituels, législatifs, administratifs, discrétionnaires et illimités au sein de l'Église Kimbanguiste. Et en son article 25, qui dit seul le chef spirituel est représentant légal et dicte de normes obligatoires par voie de décision, de circulaires ou de lettres pastorales. Vu les résolutions de l'Assemblée générale tenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 25 au 1 décembre 1961, spécialement en ses articles 13 et 14. Vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en Kamba, Jérusalem, du 7 au 21 octobre 2002. Vu les synthèses de l'Okutakan tenues en Kamba Nouvelle-Jérusalem, respectivement en 2016, 2017, 2018, 2022 et 2023, au sujet de la réadmission des sous-pénitents Saint-Élamant, et ce, conformément aux principes et méthodes, à la doctrine, à l'éthique et à la coutume qui m'invite, attendu que la mission première de l'Église Kimbanguiste est de sauver les âmes, de rechercher les brebis perdues, et qu'il n'est pas conforme à la doctrine kimbanguiste de les abandonner ou de les perdre, conforme à l'article 7 du règlement intérieur. Vu la nécessité et l'urgence, décide article 1er. Toutes les décisions relatives aux différentes sanctions d'excommunication, de radiation et de mise sous discipline, ainsi que les punitions administratives infligées aux croyants kimbanguistes partout dans le monde entier, tant par leurs entités ecclésiastiques que par leurs mouvements, associations, groupes, services et unités de production, sont d'abroger sans condition et quelles qu'en soient les raisons. Article 2. Cette mesure de grâce exceptionnelle
s'applique mutatis mutandis à tous les fidèles imbangistes de la paroisse de Kalomba, dans la province de Luanda, en République d'Angola, qui sont déjà graciés. Article 3. Tous les croyants bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle peuvent, dès la publication de la présente décision, reprendre la fréquentation régulière de leur paroisse d'appartenance, où ils seront réadmis comme scintillamment avant le 8 juillet 2024. Je répète, avant le 8 juillet 2024. Ils y recouvreront conformément au règlement de l'Église leur entière dignité en qualité de kimbangistes, participeront activement au culte et à la construction de la ville sainte Nkamba Nouvelle-Jérusalem et de l'église locale. De même qu'ils ne devront prétendre garder leurs anciennes fonctions ou leurs anciennes grades, mais redeviendront, après leur réception, comme de simples croyants. Article 4. La volonté du chef spirituel et représentant légal étant de sauver leurs âmes et garantir la quiétude au sein de l'Église, exhorte tous ces saintes âmes à la repentance, à l'humilité, à la pondération, à l'amour du prochain, à l'esprit d'unité et de faire preuve d'un esprit de collaboration, d'entente et d'obéir sans cesse à leurs responsables qui sont leurs encadreurs en ayant envers eux de la déférence. Ils doivent se comporter en bon enfant de Dieu, en prenant régulièrement la carte de croyant, en assistant régulièrement au culte, en participant aux cotisations et aux travaux de l'Église, en participant activement et en toutes circonstances aux activités de leur paroisse, etc., etc. Article 5. En référence de l'article 359 du règlement intérieur, il est demandé à tous les responsables de l'Église qui manquent partout au monde d'assurer l'encadrement total des intéressés et que toute sanction infligée à un courant kimbangiste doit être prononcée suivant la procédure édictée par l'Église et devra être légalement limitée dans le temps conformément au tableau et au barème des sanctions. Article 6. Les personnes réadmises, anciens résidents de la ville sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem, ne pourront y séjourner que pour le pèlerinage ou pour toute autre raison exceptionnelle ou circonstancielle, et non pour y installer de nouveau, sauf dérogation exceptionnelle du chef spirituel et représentant légal. Article 7, il est demandé aux responsables ci-après d'exécuter sans faille la présente décision avant le 8 juillet 2024 et d'en faire rapport au cabinet du chef spirituel et représentant légal. Il s'agit de président délégué des collèges exécutifs nationaux, du pasteur de la ville sainte d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, des pasteurs nationaux délégués, des pasteurs provinciaux ou départementaux, des pasteurs des divisions uniques, communaux, territoriaux et municipaux, des pasteurs responsables de paroisses kimbangistes dans le pays où il n'existe pas de collège exécutif ni de bureau national, des pasteurs sectionnaires d'arrondissement et de secteurs, ainsi que les présidents et directeurs généraux des mouvements, associations, groupes, services et unités de production. Article 8. Tout croyant kimbangiste est tenu de souscrire à la présente décision et d'en accepter
toutes les dispositions. Article 9. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 10. Le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Mbanzamungu le 19 juin 2024. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Je vous remercie. Merci. Likambo oyo soki esalami ezali ye moko tata Nzambe. Na ndenge nini apesaka mibeko ya epai ya Moïse. Yango nde epanzana na mokili mobimba. Lingomba pe azala mibeko na ye. Lingomba, ce qui me pèque aux athées, et Kokoya. Et Kokoya, et Kokoya. Et en gros, Kouy, n'est-ce pas ma base à Zakoba. Ma bonne nion, c'est Zaline. Et Zalé à Moké, et Zalé à Mounene, et Zalé Lissou. Libanga à Moké, n'a Mounene. Souki au bois qui est mon amai. Et vous dites la terre? Nous sommes au Kenya. Ah. Yo, quand c'est la série Yamoko, Yamoké, je connais Nzambé à ses belles idées. Tobanga, Tata Nzambé. Tout est la nana pour qu'on j'ai les coraux. Oui, Tikali, il y a mon Nzambé à repasser. Batata baza kolobete tokolonga. Butu ata ehumeli tongo ekosani ni? Ekosani. Suki mibeko ezali te, ah. Osengaka na yo, bundaka na yo, me Nzambe atie yo mokongo. Kasi suki okweyi na lisumu, kokende libela te, zonga. Mikolo bakokatela yo osilisi yango ozongi na lingomba yeki moko papa mfumu wa mbanza za koloba nga mfumu wa mbanza azongi na koyi na kokomela leki na nga na mbuta mokanda po bayebakinga na koyi eske atikalaki kokweya donk bango moko nde baza kopesa biso mibeko bango moko nde bazalaki kotambusa biso pour l'ingomba la biso et koyate. Yami balé. Pour l'ingomba beko, misala. Pemba et zan koza la biso. Sala to pesi kuna. Kolona ya kuna, esi e bandaki. Mais, ba depo fweza la, kobombe la bilombo. Le dortoir fait la route pour abattre. Côté ma tata, côté ma maman, côté ma jeune. Bonjour, bien, bonjour. Tous les matins, nous sommes dans la micro. 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 Bon, voilà tout le monde. Nous sommes dans Faki si abandaki. Me bango kwa kate, biso nyos, to pesa mabongo. Loko soke salami. Me matiti soke zali, fotolo mwala matiti wano. Paske simbri, kya gali nga ganini? Ah. Simbri kwa mwala soke akoti kuna, ay. Loso nyoso wakulia. Le bonheur se posa pour la colère, pour ma titi et sali. Fais à la propre, ta voix n'a pas commandé au bon. Bon, bien, bon, voté. Kinkewa, Pemba,
na programme ba papa ba salaki ba salaka nga siko na za presse tikale moke na ba nosenga mbongo oyo to rebondir la barrage pioka barrage pioka courant pemba kozo alors quelqu'un va prier kozo Mbaza sana pe kuzala. Bisikani suba misala na bisho kuzala. Kura ya kuzala mati. E mbuna mbavile vye kwa mbavile te. Mbaza munga mbongi vye mbongi te. Bisho tuzo kwa nara likamu mungu. Bible oye utaka likono ye kwa ya kwa ya kwa ya Na baza ngu, eh? Yeah. O mwune mwuzo na mashansu mwini. Nga razo sala, mize to sinisi, memorial, nesiko to zo sala. Makam o nzambe asali na program, promens, papa tambla ki mwini na bandibu. Bina mwuma sini na yevini yosisika o esali. Bina mwuma kwa kwa bosa na me, na kwa kwa bosa na te. Pour les Arakiboy, ce qui papa a l'air qui n'a pas encore avec la ville, la ville, la centre, la discours, les Arakiboy, la ville. Quand il y a discours, ma camou, les Arakiboy, Senga, les Arakiboy. Bon, on vient pour voter. Monsieur Tolon, ton coq, qui s'en est, ma papa, va t'écrire pour l'Oba, pour Sala, pour Kimia, écoute à la moquée, mon vieux. Pour Baloumi, bien, puis sonde. Donc on laisse à mon kiel mobile. Bon, on vient pas monter. La paix d'assaut dans la montre, non. Ma caméra ministre, ça qui nous met en panne. On peut aller à la bourse à la SPC. Tout signe qui binon, $20. Tout ça, le programme, on est donné tout ça. 3000 francs. L'assaut, ça, ça me salamine. Et ça a raté chaque jour ce qui fait tes amis. Donc, la yenga, tout ça en a besoin avant bon ou en a. Il y a mis ça la minène, la surprise de l'union, tout ça. Il y a $30, tout le mipédé, tout ça, $50 pour les loups, bateau de pêche, bateau d'oiseau tourna. Et pour bandaté, bandaté. La mindele de bazo kuzala. Ah, nazo kena kishasa, nasi salika mwana. Apre bango, mindele wana bako zonga. Poto banda misala. Baya be baya te. Baya. Mama moye. Baya. Matato ye. Baya. Ah, kwa kire kukumbo. Makamu tolubi, ekote libiso me, ekote libiso te. Nazo mwana bino ne mwopesa na retara. Retara mwopesa te, Naba tata, naba mama, senga ndola, tu senga ki. Poto bongisa ke, esika bato de pesi, pano hotela. Pe tuza na makamu mingi ya mosala po ete pasi ya zalate. Toyo kani ya? Yeah. O tuzo lo waboye, tuyewike mokili mwimba, baza kolanda biso. Ah, papa zana mbanza mwungu. Alobi nini? Alobi boye, alobi boye. Pasiki mwazo kufilme nga yi. Mwazo filme, mwazo filme te. Et qui est dans le monde. La Bible, vous avez dit que 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 Les Alouana, toujours Kende, la retour peut être toujours la gana Banzango. Même quand on a tiqué le vélo, est-ce la main? Yeah!
to silisi na kumba tatamu ala pei tatamu ni masa. Amen. Kimbangu semuanya. Toyokite. Tuasapeli. Tika toto na maloba ya nzame na bisa mutuya. Nakoma ya tata ya mwara petate mwono sanda. Nakoma ya tata. Ya mwana. Mwali mwono sanda. Mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa qui est sur lequel nous sommes, Fils dit, Papa Dialouana Kengani, Saint-Esprit dit, Papa Dianginda Kuntima, le trois glorieux en sa divinité, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Sa divinité a quitté le siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Par son spécial Papa Simon Kimbangu, il a passé nuit à Mbanzangungu. À l'instant présent, je vous ai fait, j'ai eu la chance de vous diffuser ce direct depuis Mbanzangungu où il séjourne en partance pour Kinshasa, la ville capitale de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, aujourd'hui, on est le mercredi du mois de juin, le 19, en l'an 2024. Nous avons eu l'événement de, moi je vais appeler ça dorénavant, l'événement de Mbanzangungu. Vous savez que dans l'histoire du kimbanguisme, Mbanzangungu, c'est un territoire, c'est une ville où il s'est passé plein d'événements. Hein? Ainsi, c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu fut jugé indignement. C'est là-bas qu'ont été scellées les choses. Mais c'est à Mbanzangungu, justement, où sa divinité vient prendre une mesure de grâce extraordinaire. Vous avez suivi le reverend pasteur Matondo qui l'a lu sous l'ordre de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata Nkwatu Lendo. C'est donc, mes chers amis, quelle grâce? La grâce consiste, je vais vous le remettre, allez revoir en fait le replay ou le VAR de cette vidéo, vous allez comprendre. Papa Simon Kimbangu a gracié tout le monde. Il a dit les kimbanguistes, donc tout enfant qui se reconnaît enfant de Papa Simon Kimbangu est concerné parce que être kimbanguiste, c'est celui qui est encarté, qui a signé que Papa Simon Kimbangu est son Dieu. Et donc, c'est à Mbanzangungu où il dira, Mbanzangungu, c'est la ville où tout se scellé. Et c'est à Mbanzangungu, c'est la ville où va se déceler. Ainsi, Vanada Kutukila, il va dire Rana Kangamanenge, Rana Kutukidingi, il dit à Oudou Wounu qui t'a Simon Kimbangu. Mounan Kenda Zani, ou tu songele Nkenda Zani, Nkenda Zayani, Zambandu Kambandu, Batata wa Mama Tutoma Yangalala, Belatulanda Munza Yamvimba. Je reviens parce que je vois que je parle en Congo. Mes chers amis, je vois mon confrère Papa Asundi qui me suit. Papa, sois prêt, sa divinité. Et à Mbanzangungu, il descend sur Kinshasa. Soyez disposés là-bas pour bien le recevoir comme ils ont d'habitude. Donc, papa, c'est maman. Pourquoi Mbanzangungu? Mais Mbanzangungu, attendez, je vais d'abord remettre le live direct parce que le reverend Dinando Manuel et notre Mouta Omandombe, là-bas, en Kamba, à Mbanzangungu, va prendre la parole. Suivons d'abord ce que va dire le reverend Manuel. Dimanche, yo, toko zongi sabato nyons. Baoyo bazale te lokola balongwa na lingomba ba Saint-Elama ou bien ba sanctuaire zalike groupe moko moko mwana sala kimbeba azwe tumbu dimanche yo tozongi sabango baoyo bazana sanction administrative, c'est-à-dire ozana groupe ba komelio mukanda ete yo zwi suspension. Zonga na mukanda wana ezali suspension eza simalingomba te. Ba oyo ba kenda ki simalingomba pe ba longwe na lingomba. Ba wana nyonso tu ba kende na ba paroisse kolongwa lelo. Ti to koma samedi ba pasteur
bazwa bakombo na bino dimanche ezala lisumu ya ndenge nini dimanche bato nyonso tu bakozonga esengo bien esengo te donc tata mukonja bula lobi magamba kokagula abo na kanisi toyokani. Voilà, ça c'est le révérend Dine Ndomanuel, le directeur général. Voilà, qui m'a ni soigné. Sikoyo Toko Daranchinzan. Voilà, je reprends la parole, vous permettez, révérend, s'il te plaît. Et donc, moi je relais ici. Voilà, Batata, la radio en Europe, tout au moins de la coordination française, sous la direction du cordon Paul Distingué Diamalonga. Et sinon, papa Zemomo, papa Simon Kimbangu, j'ai tantôt, c'est le miséricordieux. Il faut de plus se montrer.